Je vais vous expliquer à quoi sert l'essence et les grimoires de Clombo sur le Lego de Fortnite et je vais vous montrer une astuce aussi pour en obtenir quasi en illimité. Alors les grimoires, c'est tout simplement les petits livres que vous voyez en face de moi et ces livres-là, vous allez pouvoir les trouver principalement dans les coffres. Donc dès que vous voyez un coffre, par exemple comme celui-là, vous l'ouvrez et logiquement, vous avez quasi 100% de chance d'obtenir un livre de Clombo. Donc regardez, là j'en ai obtenu un. À chaque fois que j'en ouvre un, j'en obtiens. Et franchement, des coffres comme ça, il y en a énormément sur les îles perdues dans le Lego de Fortnite. Donc si vous voulez les farms, c'est le meilleur emplacement pour le faire. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de livres. Il y a le grimoire d'accessoires Clombo. Celui-là vous sert à avoir un accessoire aléatoire de Clombo dans votre inventaire. Donc si je me trompe pas, ce sont dans les décorations, vous allez avoir des accessoires, vous allez débloquer des accessoires. Si je me trompe pas. Par contre, je les trouve très rares à trouver. Enfin, j'en ai pas trouvé énormément de ça. Que les grimoires de Rune Clombo, j'en trouve dans tous les coffres. Donc, si vous avez une astuce pour trouver des livres d'accessoires Clombo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors, par contre, les grimoires de Rune Clombo, ça vous permet de débloquer justement les runes qui sont juste en dessous de moi. Alors, franchement, il n'y a aucune difficulté à les débloquer parce qu'ils se débloquent automatiquement. Donc, il y a un total de 3, 6. 12, 18, 19 runes. Donc si vous trouvez 19 bouquins et que vous ouvrez 19 livres, comme ça, là vous allez débloquer les 19 runes. Donc regardez, là je vais débloquer automatiquement la dernière rune parce que voilà, il manquait juste un livre. Et regardez quand je vais dans mon codex, maintenant je vais dans mes runes et voilà, j'ai débloqué toutes les runes que je pouvais débloquer. Donc c'est facile à débloquer. Alors maintenant que vous avez débloqué vos runes, ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans une forge de runes. Vous pouvez créer un dans vos utilitaires. Alors dans cette forge, vous allez pouvoir sélectionner une arme que vous allez pouvoir lui donner des attributs. Donc par exemple, ma hache forestière, je lui ai donné une rune de durabilité de niveau 1, une rune de dégâts et j'ai encore un troisième emplacement que je peux utiliser. Donc avant ça s'appelait une forge de... Enfin avant ça s'appelait un autre nom, je ne sais plus trop comment, mais voilà, ils ont changé le système et il y a quelques trucs qui changent. Donc là, quand je vais sélectionner par exemple ma pioche, je vais pouvoir forger une rune que je veux. Donc une des trois runes proposées, donc la durabilité, la chance de rune et les runes de dégâts. Si maintenant je veux en forger une, ça me coûtera 75 essence. Donc voilà à quoi sert l'essence. Et si maintenant les trois runes qui sont proposées à droite ne m'intéressent pas, je peux demander une nouvelle sélection pour 50 essence. Donc en fait, les essences, ben en fait, vous en aurez vraiment besoin parce que ça coûte très cher et en plus on ne peut en stocker que 500 sur soi. Donc franchement c'est pas ouf. Et regardez ici une rune de niveau verte, bah ça me coûte 110 essence. Donc c'est super cher. Là je vais refaire encore un. Donc 110, 110. Je vais encore refaire pour essayer d'avoir un bleu, pour voir combien ça coûte un bleu. Ok, j'arrive pas à avoir un bleu. Ah voilà, là j'ai eu un bleu. Ça coûte 150 essence. Alors il faut savoir aussi que les emplacements à gauche... Avant, si maintenant on voulait plus de durabilité, on mettait 3 runes de durabilité à gauche, sur la pioche. Là, on ne peut plus mettre 3 runes de durabilité, on peut en mettre une de durabilité, ensuite on peut mettre une vitalité, et on peut mettre une destruction, mais on ne peut pas mettre 3 fois la même. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage, mais bon, je suppose que le niveau 3 de durabilité correspond à 3 runes de durabilité dans l'ancienne mise à jour, enfin dans l'ancienne version, je ne sais pas. Donc maintenant, je vais vous présenter une petite astuce qui va vous permettre d'avoir... de l'essence en illimité parce que voilà, vous ne pouvez en stocker que 500 et vous avez vu, j'en avais 280 sur moi et je les ai usés en quelques secondes. Hein. Alors l'astuce, c'est de trouver soit des nids de scorpions ou soit des nids d'araignées parce qu'en fait, ce genre de nid qui est en face de moi va générer des scorpions ou des araignées en illimité. Alors regardez, là, vous avez juste à les tuer et à chaque fois que vous allez en tuer, il y en a d'autres qui vont réapparaître et il faut savoir qu'à chaque fois que vous tuez un scorpion ou une araignée, ben vous obtenez justement de l'essence. Donc les petites boules bleues. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire ça en illimité pour en obtenir en illimité. Et c'est pareil avec les araignées. En plus, ce qui est bien, c'est que regardez, ça explose et ça tue les nouveaux scorpions qui viennent. Donc j'ai quasi rien à faire. Hein. Ça se fait quasi en illimité. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Là, je peux en obtenir en illimité. Voilà. Je suis déjà à 59 essence. Après, les araignées, ça fonctionne aussi, mais ils n'explosent pas. Donc c'est pas aussi efficace. Et si vraiment vous ne voulez pas, enfin si cette astuce est patchée un jour ou je ne sais pas, ce que je peux vous conseiller pour obtenir énormément d'essence facilement,
c'est d'utiliser les clombos. Donc quand vous utilisez un clombo, quand vous êtes sur le dos, un clombo, vous pouvez détruire quasi tout sur votre passage. Donc vous sprintez avec le clombo et vous détruisez tout ce qu'il y a sur votre passage pour obtenir un maximum de runes. Et comme ça, vous pouvez en avoir en illimité. Alors, autre petite information aussi, si vous faites la technique des scorpions ou des araignées, ce que vous pouvez faire, c'est créer une table à essence juste à côté de vous. Voilà, vous la créez là. Et comme ça, vous améliorez en même temps les armes que vous voulez améliorer tout en farmant vos essences. Et quand vous avez terminé, ben là, vous détruisez votre table à essence pour récupérer les ressources et la reconstruire autre part. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez plus d'astuces, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire. Code créateur SCL.